Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode et le tout premier épisode sur l'ancien jeu qui s'appelait Club Soccer Director. Et bien cette année ça s'appelle Football Club Management je crois, 2023 mais moi je vais l'appeler Football Club Manager 2023 du coup. Ouais, il est sorti depuis longtemps, j'ai pas eu le temps de faire de série dessus, je vais essayer d'en faire une. Donc ça sera un épisode avec trois matchs, les trois matchs les plus importants. Généralement un au début de la saison, un à la mi-saison et un à la fin de saison. Donc là, la saison a déjà commencé, hein. On est pour l'instant, on a fait presque que des victoires. Bon, ça c'est les matchs amicaux, ça compte pas. On a joué Chelsea, on a perdu 5-0. On a perdu 5-0 aussi contre Arsenal. Ça va, c'est pas non plus des grosses défaites. Ensuite, on a commencé notre championnat par un match nul. On a gagné 1-0 en non-league trophy. On a fait 2-2, 3-1, donc on a été battu face à Buxton en coupe. Et après, on a battu Buxton en non-league trophy. Et le dernier match, c'est une victoire 3-2 face à Hereford. Et le match qu'on va jouer, le tout premier match qu'on va jouer dans cette carrière, ça va être le 20 octobre 2022 face à Kettering Town. Donc un match de coupe. Le premier tour, parce qu'avant c'était des phases de qualification. Donc on a passé quand même plusieurs tours avant d'arriver jusque-là. En championnat, on est dans le top 4 du championnat, ce qui est plutôt pas mal pour une équipe comme la nôtre, hein, le Valeric FC. On rappelle qu'on est en. On est quand même dans le bas du football anglais. On est en 6e division. La ligne nord. Donc pour l'instant c'est plutôt bien parti, on a 17 points. Donc l'objectif du maintien pour moi il est déjà validé. Parce que c'était l'objectif c'était de se maintenir pour éviter de descendre. Et je pense qu'on ne va pas descendre. Je pense même qu'on va finir dans le top 10. On va aller voir l'équipe. Donc l'équipe, la voici. Il y a deux joueurs formés au club. Dès que je suis arrivé, il y avait deux joueurs à 63 et 64. Ils sont là, c'est Kostić et Kilanda, et pour l'instant, ils veulent pas prolonger. Voilà. Ça, c'est un problème. Donc, il va falloir que l'équipe fasse une bonne saison. Pourquoi pas finir dans le top 10? Si on finit dans le top 10, peut-être qu'on pourrait les prolonger. Mais ça m'étonnerait. Ils sortent du sort de formation et ils ont un contrat que d'un an. Et malheureusement, on peut pas les prolonger. Ils ne veulent pas pour l'instant. Il va falloir que l'équipe fasse des grosses performances. Ils sont entourés, ces deux jeunes. Deux joueurs à 62. Hein. Par exemple, Rother, Fryer, un milieu de terrain à 60, et un attaquant Simpson à 61 avec Hugwu. Il y a un bon banc aussi, et en équipe réserve, c'est tout ça. C'est que des joueurs très faibles que l'entraîneur veut que je vende. Sauf que c'est invendable des joueurs comme ça. On va attendre qu'ils partent en fin de contrat ou que je les libère au prochain mercato. En tout cas, je pense qu'il a un bel, mais vraiment un très très bel effectif. Déjà au départ, nous ce qu'on a amené c'est Simpson, le gardien de but, le défenseur central, les deux joueurs formés au club, et les autres joueurs étaient déjà là. Donc ça c'est plutôt pas mal. Par rapport au niveau de la ligue, c'est très intéressant. Côté personnel, eh bien on a un niveau pour l'instant de 50, et le niveau de l'académie est à 60. Mais tout ça bien sûr, ça va s'améliorer au fur et à mesure de la saison. Allez, on se retrouve tout de suite pour le match, comme promis. Allez, comme promis. On va le jouer ce match de non-league trophy, le round 1, le tour 1. Après avoir passé plusieurs tours de qualif. C'est très long, hein, les coupes en Angleterre. Et en tout cas, pour l'instant, il y a 0-0. Attention, le tir qui passe à côté. 10e minute de jeu. Toujours 0-0, 2-4-4-2 qui s'affrontent. Il y a beaucoup de 4-4-2 hein, dans les basses divisions anglaises. Et déjà 1-0, ouverture du score de Simpson. 1-0 grâce à Simpson. Carton jaune. Et le qui passe au-dessus. Et pour l'instant, notre équipe qui fait un très très bon match. Allez,
comme ça, ça passe au-dessus. J'aimerais bien faire signer une prolongation aux deux latéraux. Pour l'instant, ils sont plutôt en partant du club. Allez, 1-0, 1-0, on le rappelle. 30e minute de jeu, bientôt la mi-temps. Alors, au niveau des passes, on en fait plus du côté de notre club. Même s'il n'y a pas une grosse différence avec l'adversaire. Dans le cas. Par contre, niveau tir, on est au-dessus. Allez, oh, c'est repris. On a 6 tirs, 2 tirs cadrés. Cadre pas assez, mais au moins on se procure des occasions. Carton jaune pour Davis de notre côté. On a 215 passes. On voit que notre style de jeu de passe il compte beaucoup. Et le coup franc était magnifique, il est repoussé. On a aussi la possession avec 59% de possession. Allez, récupération, la frappe encore, c'est arrêté, on est déjà à 10 tirs, donc 5 tirs cadrés. Et là, on va voir le coach s'il fait des remplacements. Dans cette seconde mi-temps. C'est quoi ça, point fort activé? Je sais pas du tout ce que c'est ça, les points forts. Attention, l'égalisation de Graham. Égalisation de Graham pour Kettering Town. Alors qu'on fait un gros match avec 6 tirs cadrés et ça n'est toujours pas passé. Premier changement pour l'adversaire. Carton rouge, carton rouge. Non mais comment pouvons-nous prendre un carton rouge? Le premier changement sorti d'Atkinson et entrée de Walker. Deuxième changement pour l'adversaire. On a pris un rouge, on se fait égaliser. On va sûrement peut-être se faire sortir de cette coupe. Carton jaune pour l'adversaire qui lui n'a pris aucun carton rouge. Allez, le centre, et encore une occasion, le 15e tir de ce match, le 16e tir à l'instant, et le 17e maintenant. Ah non, il compte pas comme un 17e, pourtant il était cadré, hein. Il était cadré, la frappe de l'adversaire qui passe au-dessus. On n'a fait qu'un changement du côté de notre entraîneur, on est à la 73e minute de jeu. De l'autre côté, il y a déjà eu 3 changements, il change parce qu'il sait très bien qu'il a des cartons jaunes. Et le 17e tir qui passe à côté. Et eux, ils ont eu un tir cadré. Et bien, c'est le 5 tirs, mais un seul tir cadré pour l'adversaire. 81e minute de jeu. Alors, est-ce qu'il y a un match d'appui ou retour? Je ne sais pas du tout. Ou est-ce qu'on va avoir le droit à des prolongations? Attention, le 18e tir. Le 7e tir cadré. N'a rien donné. Et là, ça passe l'arrêt. L'arrêt de Fryer. Attention, nouveau centre et l'arrêt. Encore une fois, le 19e tir de ce match. Le 8e tir cadré. Et attention, dernière action, ça passe au-dessus. Et encore un tir pour l'adversaire, ça passe au-dessus. Attention, il nous domine là dans ces dernières secondes. Peut-être que le coach n'a pas fait les changements qu'il fallait. Et les joueurs sont un peu fatigués. Allez, on reprend. Il y a apparemment des prolongations. Oui, prolongations. Les prolongations à l'instant qui sont jouées. L'entraîneur qui ne fait aucun changement. Pourtant, les joueurs sont cramés. C'est assez bizarre. Ouais, il n'y a rien à se mettre sous la dent là. Peut-être compter sur Simpson, mais attention, bonne défense. Attention, encore une action, c'est arrêté par Fryer. Ça va être la mi-temps. La mi-temps de ces prolongations, on reprend directement. Ils ont eu 11 tirs du coup. Bah oui, évidemment, à 11 contre 10, c'est plus facile pour eux.
on se procure plus grand chose, on est complètement fatigué, l'entraîneur ne fait aucun changement pour l'instant. Attention, l'action, oh, le deuxième but. Le deuxième but dans ces prolongations. On était à terre, on était complètement fatigué et ce deuxième but, il est marqué par Prozor, le défenseur central. 114e minute de jeu, tenir ce score. Beaucoup de cartons quand même pour nous. Attention, 118e. 119e et 120e. La victoire 2 buts à 1 dans ce premier tour de coupe. Et on est qualifié pour le prochain tour. Donc on se retrouve pour après le mercato d'hiver. Donc ce sera au mois de février, vers le 23 février, quelque chose comme ça. On se retrouve, on jouera un match. Et ensuite, eh bien, ça sera le dernier match de la saison. Allez, à tout de suite pour le mois de février. Allez, on se retrouve pour le match hivernal. Match de Ligue Nationale Nord. Alors on a été éliminé des deux coupes, hein, la FA Cup et la Non-League Trophy. Éliminé de ces deux trophées-là. Donc on a juste le championnat à jouer. Et en championnat, je l'annonce, on est déjà... on était, je crois, leader quand on s'est laissé. Eh bien, on est toujours leader. Il y a eu un seul recrutement cet hiver. C'est un attaquant de pointe. Il n'est pas titulaire aujourd'hui parce qu'il s'est blessé. Mais il est à 63 de général. Franchement, si on avait dit à début de la saison que le club se jouerait la montée, je n'y aurais pas cru. Et le but à 1-0. 1-0 grâce à Holloway. Franchement, grosse saison hein, pour l'instant, on a perdu du club. Et on braque assez rapidement avec un 12e but signé Holloway. Minutes de jeu. Tentative de réduction du score de Gloucester City. Bien joué, mais c'est repoussé. Hein. De l'équipe adverse est vraiment très très dominée. Hein. On est clairement au-dessus. Ouais, on voit, ils ont une équipe plus faible que nous. On a franchement une très très belle équipe. Qui aurait dû jouer le maintien, mais qui joue mieux. Mieux que ça, elle joue la montée, cette équipe. Malheureusement, les deux latéraux, je vais pas pouvoir les prolonger parce que je suis en déficit d'argent. Que je paye, il y a des joueurs que j'ai fait venir, notamment l'attaquant cet hiver qui m'a coûté tout le budget salaire et du coup j'ai plus d'argent pour les prolonger, les deux latéraux formés au club, donc ils vont malheureusement ils vont devoir partir libre. C'est dommage, mais c'est comme ça, je peux pas les prolonger. Allez, toujours 2-0 dans cette seconde mi-temps. On a un jeu basé sur l'offensif. Avec 302 passes. Bon, ouais, on a un jeu de possession. Hein. Vraiment de possession. C'est ce que j'ai voulu mettre en place. Et ça fonctionne dès la première saison. C'est aussi le coach hein, qu'on a recruté hein, qui fait ça. Il est venu en plus avec son adjoint qu'il a choisi. Et il y a une alchimie qui s'est faite très rapidement dans ce club. Puis en plus du recrutement, donc tout le monde s'entend parfaitement. Et c'est pour ça qu'on joue la montée. Attention, ça construit très rapidement. Et style de jeu de passe, la frappe, c'est repoussé. Et la frappe, ça passe à côté. Premier changement de la part de l'entraîneur. Sortie de Prozor. Entrée de Oxlade Chamberlain. Attention, la perte de balle. La récupération. La frappe cadrée. C'est repoussé. Après ce match hivernal, on va aller faire le petit bilan pour voir notre classement.
Deuxième changement. Même le troisième changement. Il y a eu la sortie d'Atkinson, entrée de Vicente et sortie de Davis et entrée de Edwards. Donc, trois changements sur cinq possibles. L'entraîneur fait des choix. Joueur pour l'adversaire. La frappe qui passe encore à côté. 21 tirs, 10 tirs cadrés pour notre équipe. 82e minute de jeu. Et voilà, Holloway, le triplé de Holloway. C'est un match exceptionnel pour lui. Triplé, 3-0 face à Gloucester City. Attention, nouvelle action. C'est une frappe qui passe à côté. Triplé de Lowe quand même. Hein. C'est assez exceptionnel. Carton jaune. Dernier changement. Et c'est la fin du match. Victoire 3-0. Alors là, voilà, le bilan du classement pour l'instant est leader avec 88 points, donc 11 points d'avance sur le deuxième du championnat, Flyde. Donc on est bien parti pour monter, on a fait 35 journées. Et on a fait 28 victoires, 4 nuls et seulement 3 défaites. 80 buts marqués, 26 buts encaissés, un goal average donc de 55. Donc on est assuré, je pense, de monter à l'échelon supérieur. Franchement, et c'est largement mérité. On va se retrouver tout de suite pour... le dernier match de la saison. Et on fera ensuite le bilan de cette saison. On peut aller voir juste avant. Le voilà, c'est le joueur qui est blessé, c'est Jacob. 65 de général, je l'ai recruté cet hiver. Donc il a quel âge? Il a 29 ans. Très très bon joueur. Bon, on peut voir qu'on a des petits problèmes financiers, mais c'est parce que il a fallu renforcer l'équipe cet hiver et ça m'a coûté très cher, Jacob. Allez, on se laisse là, on se retrouve tout de suite pour le dernier match de la saison. Allez, on se retrouve pour le dernier match de la saison, match de championnat. Et l'entraîneur a dû faire un petit peu du bricolage. Et ça se voit sur cette fin de saison, on a fait plus de défaites et de matchs nuls. Sur les quelques derniers matchs. Beaucoup de blessés sur la fin de saison. Là, on le voit, il a bricolé, il a mis un latéral au poste de milieu de terrain. C'est vraiment du gros, gros bricolage. Il fait comme il peut, mais de toute façon, je crois qu'on est déjà assuré de finir champion. On avait une dizaine de points d'avance. Même si on a perdu et fait des matchs nuls, on a toujours su gagner et faire des séries de matchs sans défaite. Donc là, perdre ce match, ce serait anecdotique. Alors qu'on égalise avec Oxlade-Chamberlain, qui est un latéral et qui joue milieu de terrain. Pareil, Noble Lazarus, c'est un milieu de terrain droit, je crois. Et là, il le fait jouer au milieu de terrain central. Il fait comme il peut. Les deux latéraux formés au club qui vont sûrement partir. Il y avait hors-jeu. Malheureusement, il y a deux joueurs formés au club qui vont sûrement partir, effectivement. Et pour l'instant, on est dominé hein, par Brackley Town. Ils sont à domicile et ils nous dominent totalement. On n'y arrive pas. Attention, nouvelle action pour eux, ça passe au-dessus. Nouvelle action pour nous, c'est arrêté. Ils ont eu 8 tirs, 2 tirs cadrés. On a eu 5 tirs, 2 tirs cadrés. Le coup franc pour notre équipe, ça passe au-dessus. Un 4-4-2 en losange en face. Et de notre côté, c'est un 4-4-2. Au niveau des passes, on est plutôt égal.
même s'ils sont en train de nous rattraper. Au niveau de la possession, on est largement au-dessus. Et en termes de passe, c'est... Ouais, passe 80. C'est deux équipes qui ont le même style de jeu, je crois. Ça se voit au niveau des statistiques de passe et de possession. Deux équipes qui se ressemblent beaucoup. Allez, nouvelle attaque avec ce joueur qui décide de y aller, qui tire et ça passe à côté. Nouveau centre, c'est repoussé. Premier changement pour notre équipe sortie, même il en fait un deuxième direct. Noble Lazarus qui laisse sa place à Edwards et Simpson qui laisse sa place à Ogu. Changement à vocation offensive et aussi au milieu de terrain. Très bonne action défensive là de la part du joueur. En tout cas, ça aurait été une très belle saison, quoi qu'il arrive. Davis, la sortie, entrée de Angel à la 66e minute de jeu. Nouveau centre pour notre équipe, c'est arrêté. Nouveau corner, encore un arrêt. On enchaîne les actions là depuis quelques secondes. On sent qu'il a fait rentrer les joueurs au bon poste. Avec ce décalage et l'arrêt. Sortie de Jacob, entrée de Holloway. Le centre et Holloway qui se procure déjà une occasion. Nouvelle action au côté droit avec cette frappe, c'est repoussé, ça revient et c'est ça passe à côté. On a plus d'occasions là sur cette fin de match. On sent que les joueurs qui sont rentrés ont l'habitude de jouer ensemble. Attention, attention, la frappe, c'est repoussé, le tir qui passe à côté. Et nous, nos occasions sont cadrées hein, par rapport à eux. Ça va être un match nul. Ce sera procuré jusqu'à maintenant 17 tirs, 8 tirs cadrés, 417 passes. On est vraiment égal hein, sur le jeu de passes et de possession. C'est du 50-50. Et voilà, c'est fini. On a déverrouillé un succès et on va surtout aller faire le bilan de cette saison. Allez, on va pouvoir faire le bilan du coup de cette saison. Et le bilan, il va commencer avec déjà notre première place. Et cette première place au championnat de National League Nord. Qui fait vraiment plaisir. Donc ça fait 107 points pour notre équipe. On a fait 33 victoires, 8 nuls. Et 5 défaites. C'était vraiment pas prévu de monter, mais on l'a prise cette montée. On allait chercher la première place. Et on est heureux. Heureux d'accéder à cette 5e division anglaise dès la première saison. Il y a eu un bon travail de fait en début de saison. C'est vraiment ce qui nous a permis de monter. Et en plus, nous, je pense que ça va nous faire progresser au niveau du badge. On devrait progresser un peu plus. Côté 5e division, c'est la division dans laquelle on va évoluer la saison prochaine, c'est Wrexham qui monte. Et derrière, les autres clubs jouent les playoffs. Notts County, Halifax, Cunthorpe et Oldham. Ok. On va aller voir la FA Cup. La FA Cup, c'est une victoire 2-0 de City. La League Cup, victoire 2-1 de Liverpool. La Ligue Trophy, c'est une victoire 1-0 de Sheffield. Et la non-Ligue Trophy, c'est une victoire de Chesterfield face à Wrexham en finale. Ok. Bon. On va aller voir. Donc on va rester en Angleterre. On va aller voir en première ligue. C'est City qui finit premier. United deuxième. Chelsea troisième. Et Liverpool quatrième. Newcastle à la cinquième place. J'ai bien envie d'aller voir en France aussi. Qui a fini, c'est le PSG qui finit deuxième, Lyon qui finit premier, Marseille quatrième, Lille troisième, Troyes, l'AC Ajaccio et Auxerre sont relégués.
En Ligue 2, Dijon et Bordeaux sont promus. Metz, Sochaux, Caen, Le Havre en play-off. Annecy, Bastia, Laval relégué. Bourg, Péronas, Avranches, Bastia, Borgo, Cholet relégué. Sabriocha, Concarneau, Orléans, Red Star, ça joue les play-offs. Châteauroux, Nancy, montée direct. Et la Coupe de France est une victoire 1-0 du PSG face à Lorient. La Ligue des Champions a été remportée par City 2-1 face au Bayern. La Ligue Europa a été gagnée 1-0 par Villarreal face au PSG. Et la Copa Libertadores a été gagnée 5-3 au tir au but par Paranaense. Bon, en termes de personnel, on a toujours une note de 50. L'équipe a toujours une note de 61. On peut la voir, l'équipe. Elle va être largement remaniée la saison prochaine. Cette équipe, c'est sûr. On peut dire qu'on est là la saison prochaine, mais on va pas le promettre non plus, parce qu'on peut très bien être sollicité par d'autres clubs et partir. Parce que par exemple, là, on va monter en 5ème division, mais si un club de 4ème ou de 3ème division anglaise m'approche, je ne refuserai pas, parce que ça me permettrait d'augmenter un peu plus vite mon badge, de progresser dans un club un peu plus fort. Là, on a réussi à monter, c'est vraiment un exploit. Et en plus, il y a un gros problème d'argent maintenant au club, même s'il y a 13 millions d'euros de fonds disponibles. C'est beaucoup. Ça, c'est grâce aux sponsors qu'on a dans le stade, hein, qu'on a gagné pas mal d'argent. Et aussi les performances. On est quand même allé assez loin en coupe. Et cette montée aussi en championnat nous a rapporté des sous. La confiance des fans, bah, elle est bien. Et la confiance du conseil, elle est juste énorme. On a tout réussi. On a tout réussi. Il n'y a aucun truc dans le rouge, c'est parfait. La santé financière est OK. On va donc aller voir ce qu'on a débloqué tout à l'heure en succès. Donc là, on est dans les succès qu'on peut débloquer. Et déjà, le gagnant... gagner un prix du manager du mois, ça s'est fait. Après, ça, faut les acheter. OK. On n'a pas débloqué d'autres. Ah oui, tout ça, c'est débloqué, mais il faut les payer, en fait. Je crois que j'ai 11 000... Vendre un club? Comment on fait ça? On peut vendre un club? Éviter le redressement judiciaire. Acheter un club. Ok. Faudrait que je regarde comment on fait. Gagner 3 matchs d'affilée. Hop. Non, je crois qu'on gagne des sous en fait. On en dépense pas. Hein. Ça c'est débloqué. Gagnant de dernière minute accompli. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors vendre un club et acheter un club, faudra que je regarde comment on fait. 500 passes dans un match. Recruteur international engagé. Recruteur à 20, moins 23. De toute façon, on avait un staff complet cette saison. Chiffre d'affaires annuel de 1 million de dollars. Ouais, c'est vrai qu'on a. On se fait beaucoup de sous là avec. Avec les supporters qui viennent et la saison qu'on a faite. Installation du stade améliorée. Siège amélioré. Terrain d'entraînement amélioré. Installation pour les jeunes talents. Jeunes joueurs promus. Est-ce qu'on en a d'autres? Oui, on a deux autres. Aucun but encaissé. Match de première ligue remporté. Et net target. Ok. Par contre, ça nous fait pas progresser en point tout ça. On a des records de directeur. Alors la plus grande défaite c'est cette saison. 4-2. Plus grande victoire 5-0 face à Darlington. Le plus forte fréquentation c'est 10 414 face à Chester. Plus grand nombre de buts marqués pour l'instant il n'y en a pas. Pareil pour les buts concédés. Plus grande sélection c'est Kucic. Plus ancien manager c'est Farmer, hein, notre entraîneur actuel. Le record de signature, c'est 210 000 euros, c'est Holloway, hein, donc c'est le joueur le plus cher de l'histoire du club. Pourtant, c'est pas le plus fort. Record de série de victoire, 14. Record de série d'invincibilité, 4. Et le meilleur manager, c'est Farmer. Et on a 16 000. Ouais, c'est ça, on débloque des points, en fait. On n'a pas encore les trophées d'affichés, mais ça se fera à la fin de saison, et je vais encore débloquer de l'argent. Parce que on va nous donner de l'argent une fois la saison passée.
Donc là, franchement, c'était une très belle saison. On va cesser ça. N'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner. Et dans le prochain épisode, on essaiera d'améliorer cet effectif si on est toujours au club. Parce que si j'ai une belle proposition, comme je l'ai dit, je signerai en 4e ou 5e division dans un autre club. Enfin, pas en 5e, mais en tout cas en 4e division. Si on m'approche, je serai prêt à quitter le club. Puis je crois qu'on laisse quand même un club de niveau 68, c'est plutôt pas mal. Hein. Je pense que c'est un club qui peut viser le top 10 hein, de la 5e division la saison prochaine, que l'on soit là ou pas. Allez, à plus!